Salut YouTube.com. Aujourd'hui, nous allons jouer à Skyrim. Nous allons faire une exploration dans une mine, une ancienne mine. Et voilà. Nous allons rapprocher le micro et nous allons commencer notre aventure. Je me présente, mon personnage. Personnage cuisinier de combat avec sa tenue de cuisinier de combat et c'est mon CD de cuisinier de combat. Et nous pouvons voir un mineur fantôme que je viens de découper. Nous sommes dans une ancienne mine. Une ancienne mine très hantée. Comme dans Luke. J'ai activé le levier. Mais je ne sais pas ce qui vient de se passer. Beaucoup de gens se demandent ce levier sert à quoi. Mais écoute, je n'ai pas la réponse à cette question. Voici, nous revoilà. Oh, revenu ici. Oh, qu'est-ce que c'est, bordel. Oh, qu'est-ce que c'est que le bruit. Écoute. Nous sommes dans une mine. Et il y a des bruits bizarres. Ici, nous venons d'ici, car je suis en plein milieu de la mine. Je suis en plein milieu de la mine. Je continue mon exploration. Oh, nous allons ramasser. Nous allons revenir sur nos pas et nous allons essayer de figurer cette énigme. Cuisinier de combat, je vais pouvoir résoudre cette énigme. Sûr et certain. Ah, nous pouvons voir une entrée, une sortie. Oh là là! Oh là là! Il faut vite sortir son épée et se préparer à lui faire une feinte, une esquive. Let's go! La tête. Vous avez vu comme je lui ai coupé sa tête. Il a fait un faux pas et l'épée est partie toute seule dans sa tête. Ok, minecart. Minecart. Peut-être que ça a à voir avec Minecraft. Nous allons sauvegarder. Mad enough to have quite a few tricks up their sleeve. Careful. Ouh, cela va être un piège, une énigme à résoudre. Ça fait chinoise. Activer, ah, on peut l'activer. Ah bon, pas rien, ok, c'est rien. Je vais suivre le minecart. Et je suis dans la merde. Vous avez vu comme je suis dans la merde? On essaie de passer devant le minecart. Ah voilà. Une petite entrée. Une petite sortie. Nous sommes dans la merde. Oui. Oh, par ici. Rien au bout. Nous allons. Droit devant. Droit devant, Moussaillon. Venez. Oh oh. Il n'y en a plus. Oh, il est vide ici. Je pense que ce doit être un 2. Je ne suis point sûr.
tatouage. Oh jeez. Je pense qu'il faut courir. Oh oui, il faut courir. Vu comme je suis devin, c'est parce que j'ai vu beaucoup de films. Nous voilà arrivés à bon port. Nous examinons et nous allons sauvegarder car nous ne voulons pas recommencer. Impossible. Plus les fantômes. Massacre. Tu peux le voir, il y a eu un massacre. Je suis certain qu'il y a eu un massacre. Nous allons prendre les oeufs. Coupe ta tête! Putain, les enculés! Faire la triche malheureusement car j'ai activé une pierre qui me fait ressusciter mais elle me fait ressusciter tout le temps en fait et il faudrait que je change de pierre mais je n'ai pas trouvé d'autre. Enseigne-moi, tu vois ce que je veux dire. Regarde, je te montre. C'est où déjà? Laquelle? Ah voilà, c'est ici cette pierre. C'est mon problème. Je sens. Putain, mais il prend pas ses coups. Oh, les... Ouh. Ouh. Tiens, mon boy. On a plus qu'un. On va se le faire comme ça. Regardez bien. Regardez bien. Adios la tête. Voilà, je pense que c'était malheureusement les mineurs qui sont morts ici. Oh, il y a un levier. Nous avons activé le levier et nous allons reprendre les oignons. Et voilà. Malheureusement, les coffres sont vides, vides et vides. Nous allons vérifier. Une fois qu'il y aurait un passage secret ici. Malheureusement, non. Il y a point de passage secret ici. Continuer notre exploration. Oh. On va recommencer encore. Cours, saute, cours. Quand tu cours comme ça, que tu sais qu'il y a quelque chose derrière, ne regarde pas derrière. Ça sert à rien. Et un conseil. Ouh, ça recommence les mêmes cartes. On va sauvegarder, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Ok, le main card est ici. Nous allons voir que ici, il y a un passage. Oui, il y a un passage. Il y a une ficelle qui est une racine. Suivons le main card. Ouh. Ouh. Putain, ça coupe. Je me suis coupé la tête sur le main card. J'ai plus de magie, il nous faut une potion ou deux ou trois. Nous avons beaucoup de potions. Nous allons prendre ça. Nous allons prendre ça. Nous allons nous soigner. Voilà. Soigner plus. Nous devons passer devant le main card, je pense. Avant que ce soit ici. Oh, c'est ici. On va check. Oh, c'est ici. Nous avons résolu l'énigme numéro 1. L'énigme des trucs flottants.
pas trop qu'est-ce que c'est qui flotte, mais écoute, ça flotte. Nous allons essayer de monter grâce à cet escalier, grâce à ce... Il ne faudrait pas tomber, car nous tombons ici, et au moins une brisure de la colonne vertébrale. Nous empruntons ce chemin, main d'une beauté tout à fait bleue. Bleu. Bleu est la couleur du jour. Beaucoup de bleu. Et nous arrivons. Peut-être que ça va... Oh, peut-être que ça va être la baston générale avec un boss. Ouh, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que... Oh, il y a... Tu ne devrais pas me répéter. Ok, je vais activer ce machin de lui. Ouh, ça va être la baston. On va trouver une belle baston de minecart. À mon avis, on va au moins voir double zombie. Et plus. Oh, on fait pour lâcher. Oh non, je vais devoir passer devant et ils vont me rouler dessus, c'est ça? C'est que ça va être? Ah. Il ne peut rien arriver! Et... Ok. Malheureusement, la pierre m'a encore fait ressusciter pour rien. Normalement, je serais mort. Donc je ne vais pas tricher. Je ne triche point à aucun jeu. Je suis un vrai. Constater que je suis vrai à 100%. Okay. Donc je pense qu'il faut courir plus vite. Oh, on a réussi la course. Non, non, il y avait le coffre devant. Je me dis pas que je vais devoir refaire tout le chemin. Non, non, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On peut voir un... Hein? Putain, mais il y en a trop. Qu'est-ce que tu veux que je... Ah, ta mère. Ta mère. Vas-y, mais c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? Il y a un problème. Ouais, ouais, mais mec, envoie-moi pas tout en même temps. C'est sympa. À moins qu'il faille que je rush, que je me batte pas. La strat. Fuck. Shit. Oh, mais ça fait même pas de dégâts. Mais putain de fantôme de merde. Ta tête. J'ai pas des potions. Purée de pâle. On va empoisonner. Empoisonner. On va mettre plein de trucs. On va essayer de vivre. Oh, vous avez vu? L'eau qui s'arrase. L'un derrière moi, quoi. Je suis sûr qu'il faut pas les battre. Ok, cette fois on va courir comme des fous. Des fous. Des fous. Avant la suite. Minor turning on minor. And so I hear.
êtes prêts pour la grande course. Ciao les PD. Mais non, mais y'en a encore là-bas, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais non! Mais non! Oh oui, oh oui! Alors les gars, on s'est pas grimpé sur un rocher! On s'est pas grimpé sur un rocher! Tiens! Mais tiens! Mais tiens! Mais tiens! Alors, on est débiles? On est des fantômes débiles? Tiens, tiens! Tiens, tu veux une flèche dans le genou? Oh mon gars! Tomber. Oh, au secours, je tombe. Oh, il ne faudrait pas que je tombe. Non, il me tuerait. Ouh. Allez, venez. Heure de manger. Une flèche dans la gueule. Une flèche dans la gueule. Une flèche dans la gueule. Oh, je tombe, pour de vrai. Ouh. Ça se fait. Ils sont passés où? Ils sont passés où, tes amis? On dirait que tu voulais me bus. Tu voulais me démonter. Tu voulais me tuer, hein? Avec toute ton équipe de mineurs de merde. Retourne jouer à Minecraft. Retourne jouer à Minecraft, je te dis. Retourne jouer à Minecraft. Et maintenant les autres. Oh! Bah ils sont où, tes amis? Sous l'eau. Ouh. Nous allons ramasser. Et des squelettes. Des squelettons.
Je pense que c'est comme ça qu'il fallait résoudre le problème de cette île. Si tu cherches la solution, voici. Fais comme moi, tu montes sur le rocher et tu sors ton arc. Car malheureusement, je joue en difficulté légendaire et un mauvais coup d'épée et je suis mort. Donc écoute, dans la vie, il faut savoir trouver des solutions. Et nous avons trouvé en ce moment même une solution à ce problème. Holy fucking filth. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ah, j'ai besoin de boire une boisson. Me remettre de mes exploits. Nous allons dans Deep Cavern, c'est-à-dire caverne profonde. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel de chiasse? Non. Ok, une sauvegarde. Toujours bien sauvegarder, car nous ne sommes pas à l'abri d'un massacre. Qu'est-ce que c'est? Non, ça recommence. Non. Mais vous êtes sérieux? Putain de jeu de merde, quoi. Il va m'envoyer combien? Combien d'enculés géants? Ça valait le coup, hein? Oh oui. Ils sont partout. Allez, viens là. Oh, ça le fait même. Écoute ça. Vas-y, tu sais, en entrejambe. Ok, il est mort. Oh non. Ah, oh, mais lol, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute, moi, sérieux? Impossible. J'ai même pas de pote avec moi. Attends, j'ai peut-être un sort pour ça. Il y a peut-être un sort pour ça. Conjure. Je vais te battre avec moi. Allez, aide-moi. Voilà, aide-moi. Aide-moi contre le bonhomme géant. Tiens, dans la couche. J'ai vu comme je l'ai couché dans la couche. On peut pas passer là. Vous voulez combattre ce truc de merde? Il faut que je trouve un rocher. Je peux pas grimper là. Ça touche pas, ça me saoule. Désolé, mais là je vois pas comment le tuer. Enfin, lui je le tue, mais après il veut pas ça. Allez, ramène-toi.
Ramène-toi, je... Oh non, qu'est-ce que c'est? Il prend pas de dégâts. Maintenant je t'en mets une dans la peau. Donc ça touche. Je vais... On va tenter en faisant se mettre en armure. Je le touche pas. Et il y en a un autre qui a pas de suite. C'est l'imbécile qui a décidé que c'était une bonne idée de mettre fin à une mob. Ah, ça touche ici. Oh, je vois. Mais reviens. Ah, mais je suis limité. Et là, ça touche plus. Voilà, un moment. Et il y en a encore des plus petits. Je vais me faire un pouvoir en plus sur le jeu. Moi ça touche pas. Casse-toi. There we are, the old lift. Well, old on your terms, new on mine. Down we go, through the wheels of loam until we reach the bottom. Thank you.
descendre de notre perchoir, mais d'abord nous allons boire une petite bouteille d'eau. Avec son arc. Ok. Donc là, ça s'est enlevé, je peux passer maintenant. Ouais, d'accord. Attends, il y a peut-être un trésor ouvert. Peut-être la pioche. L'enlever. L'enlever. Nous allons sauvegarder après ce combat arche acharné. D'arche. D'arc. Combat d'arc acharné. Comme c'est le mot. Bah, nous pouvons voir que c'est très le bordel. Le bordel. Les anglais sont montés. Ok, nous sommes arrivés dans la salle avec des rouages qui roulent. Il faut une clé rouge apparemment. Il faut activer le levier. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Touch anything and I take you apart. D'accord. Putain, mais il y a des leviers partout. Et quoi, ce bordel? Là, il y a un portail en haut. Reach the bottom. Atteindre le. Ah, mais on a réussi. You have a purpose, a point. Bad things are afoot, Dovahkiin. You have to fix them. Oh. We do not go mad, not us. We break, our mechanisms in our head twist and turn. It is madness of a sort, but no prince rules it. And it is with a capital B, please. Broken, not broken.
was the trolley station. Went places. Don't really know where, never used it, but broken now. Might not be, if you get the hint. Know your equipment, I do. Need help? I can tell you what it does. Yes, I can. Normal life, normal me, but broken now. Numenor's assistant all smashed up in his mind. Oh, not on purpose. Don't blame him. It's the way of the Fabricant. We gladly experiment on each other and ourselves. Casualties are inevitable. Ok, il faut faire quoi maintenant? C'est pour... On va sauvegarder. Il va activer un truc, là, il va nous tuer. Ça marche pas. Il y a des nages, je sais pas. Ah, mais c'est des téléportations. Ou des ascenseurs. Oh, il y a des livres. Nous allons apprendre ces livres. Et les livres à lire. Il y a des armes. Des lingots. Yes, right. Let me introduce you. Toi-même. Ah, c'est si. We're watching you. J'ai tellement envie de le tuer, lui. Scum. Oh, visu zigue de bordel. In my youth, I was a bit more accepting. I liked new things and I was curious. I once broke into the Watchmen headquarters dressed as one of them. Now I don't like new things. New things mean trouble. Trouble is dealt with accordingly. Merci. Normally, outsider, I'd throw you off the edge of Low Moor. But you returned with Lavados. So I'll give you a chance. As much as I'm wary of Lavados' schemes, we are a bit desperate down here. He's broken. His mind is damaged in a way I don't fully understand. Mad though he may be, he has insights that sometimes help us, sometimes harm us. He brings things, people, and it is usually a 50% chance that it turns out bad for us. So that's a chance I'll give. I have with me an old septum, a coin, tarnished on one side, much like your empire outside. I will flip it. And if it lands on the unsullied side, you may stay. Otherwise, you will find your home in the equations below. Okay. Seems Sotha Sil smiles on you today, outsider. Let us hope he does the same for us. Now, speak freely, Outlander, or go away. I can see his logic, however twisted, but he didn't tell you what was the problem, did he? That's not his style. He's not good with words, or speaking, or handling machinery. He broke the upgate on his way out for one thing. I am better at explaining, so let me try. We are chronographers, fabricant servants of the god Set. We monitor time and space and stop it from collapsing in on itself. One of the ways we do so is by overseeing the towers,
This particular tower that we sit under is Snowthroat, known as the Throat of the World. But it is malfunctioning. The towers are one of the most essential mechanisms of the world, the pinpoints of the wheels of Lull. Yet one by one, they are slowly dying. For years, we have watched the most essential pieces of Snowthroat, but now it starts to flicker and fade, and we don't know why. If Snowthroat has been deactivated, or is at risk of such, it is a serious threat, not just to our order, but to Nirn as a whole. But we do not know who or what causes such trouble. We do, however, suspect outside forces. Because you outsiders must always prod that which should not be prod. We are fabricants. We are raised and born to love the machine, to respect it. But you people pick away at it, and look around with a sad face when the machine breaks down, and we are the ones that must fix it. There is no doubt that someone above us seeks to get at Snowthroat, or is trying. But there are enough possible parties that we cannot leave such a thing to guesswork. We must conduct research. We must scout, as it were. That is precisely what I was thinking. It is, I admit, hard for us to work on the surface. With our machine parts and our glowing eyes, we certainly stand out, no? You, however, do not. People would ignore your presence, and you could operate relatively unmolested. There are three possible candidates in Skyrim with the ability to affect Snowthroat, unintentionally or not. The Greybeards, with their proximity. The College of Winterhold, with its lack of discipline. And the Thalmor, with their meddling. Near each of their places of residence, there will be slot points, folds in the world mechanism that can be read for data. We have this. It is a device that must be installed in these slot points, from which it collects what we need. Installing it is a complicated procedure, requiring use of an artophysical manipulator, that is, this tool. It is not a hammer. It is an artophysical manipulator, a very delicate device that simply looks like a hammer. But using that tool, it is not the difficult part. It is finding the slots. The world mechanism's pieces are not able to be located by normal sight. One must have this device, a visor that, when worn, reveals pieces of the world mechanism for one to manipulate. Yes, for all three locations, mind you. It is what we call association triangulation. The three pegs will use all the data collected to tell us just who is messing with our tower, and where from. I will warn you though, the pegs are a bit ornery. Hopefully, you will be able to handle yourself. You did, after all, reach here. Speaking of which, use the main elevator from now on. It will make things easier. Okay. Oh, tous les livres. Ouh. Les livres. Aller placer des bidules trucs pour trianguler bidule et trouver qui fout la merde. We're watching you. Scum. Va te faire foutre. il a dit il faut trouver l'ascenseur. Mais d'abord il faut manger un saumon, une patate. C'est beaucoup d'eau pour bien grandir. Nous ne trouvons pas l'ascenseur, ah, voilà. Pour retourner à la surface. Se faire tabasser par les mineurs. Saloperie de mineurs.
comment se rendre? Ici. Ici on peut pas y aller. Et la terre des Nordiques. Avec une petite musique. Savoir lequel des elfes est le plus commun. On va dire les hauts elfes. Les hauts elfes. Non, je vais me faire tabasser. Bien comme il faut. D'ici, on va passer par le château. Non, ça va pas être drôle du tout ça. Sauf si on passe par la montagne. Rouillé. Il ne m'attrapera jamais. J'habite dans les montagnes. Oh les gars. Oh, il y a un coffre ici en plus. Ouh. Mais attends, comment on va faire? On est obligé de passer devant. En tout cas, on a trouvé un coffre. The Warrior Chain Charge. Prends-tu, hein? Ben oui. Oh, il s'est fait couper la tête. Par la vache.
verrou. Courir. Je ne veux pas me faire bastonner. Oh les flèches. Ciao les gars. Moi je ne vais pas rester ici. Je change de pierre et je crois qu'il y a des pierres pas loin là. Mais c'est pas sur le chemin. Vas-y, j'y vais quand même. Je vais quand même y aller. On peut voir ici, c'est le début de Skyrim. Quand on arrive dans la charrette avec la ville. Ça a beaucoup changé en peu de temps. Il y a des bandits qui sont revenus, des fois il y en a qui reviennent dans les villes. Nous pouvons voir qu'il neige beaucoup, c'est très la neige. La neige partout. La neige. Du coup on ne reconnaît pas le paysage. Nous sommes à la recherche des... bientôt. Peut-être. Allô. Non. Dans un virage. Ah, c'est le mec là. On peut courir. Ok, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin là. Et plus comme par ici. Ah si, c'est le bon chemin. C'est juste que ça va être par là. Ah, ils sont ici. Ah voilà. On va pouvoir changer les pierres. Pierre du voleur, non. Pierre du mage, non. Du guerrier. Et donc, comment on va faire? Là maintenant c'est mort. On va aller dormir à Rivebois. Rivebois. On peut percevoir un très beau paysage. Dans rivière, montagne au loin, beaucoup de pros, une baston qui se prépare. Coupe! Coupe! Ils ont essayé de me tuer. Vous avez vu, ils ont essayé de me tuer, ils en veulent à ma vie. Nous allons les aider à accomplir leur voyage mystique. Au revoir le chien. Le deuxième chien. Le deuxième chien va partir dans son voyage. C'est parti! Au revoir les chiens. Sûrement un pêcheur va pêcher des loups. Et ça va être comme waouh, des loups. Qui a fait ça? Vous imaginez si ce jeu il serait multijoueur et qu'il y aurait genre un pêcheur là-bas et il voit deux loups passer. C'est quoi? Un nouveau poisson? Ce serait super génial comme jeu. Comme jeu multijoueur. Comme jeu coop de pêche. Pas me parler. On peut touiller un peu la casserole là. On va touiller un peu la casserole. Oh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Faire du poison. On peut rien faire de bien en fait. Je vous cherchais. Ah. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Bien. Voyons cela. Un musée va ouvrir à Aube Étoile. Et le propriétaire m'a demandé de distribuer des invitations aux voyageurs. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok, bye. Nous allons
Nous allons lire l'invitation au musée. Attends, c'est pas ça. Mais où cette invitation? Ah, elle est là. Museum. J'étais dans cette mine et j'ai ramené zéro loot quoi, c'est super. C'est super quoi. Ouais. Si, un petit peu de quoi faire des lingots. Ok, on va aller prendre. S'il te plaît, arrête de courir comme ça. Putain, tu es bugué ou quoi? What is it? Was that all? Oh, ça. Nous allons boire à la fontaine. Voilà. Et nous allons manger vite fait. Du bœuf. Une patate. Une deuxième patate dans la nuit. Nous allons dormir à Rivebois. Bois de rive. Entrez. Dites-moi ce que vous voulez, moi si j'ai coupé du feu et je vous enverrai quelqu'un. Nous avons... S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. On veut satisfaire son appétit, hein. Je crois que j'ai beaucoup de trucs à vendre. Comme ça. Et ça beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça à vendre. Il y a quoi d'autre? Rien du tout à vendre. Est-ce que tu pourrais me passer une chambre? Non, pas de chambre. Mm-hmm. Et où sa femme? Oh non, lol ce jeu. Alors, c'est vous qui. Excusez-moi, je dois vous réveiller parce que je voudrais une chambre. Désolé, vraiment. Comment ça se passe ici? Je peux difficilement venir. D'accord. C'est non, quoi. What do you need? Oh, hey, mec, casse-toi de là. You in need of a companion? I reckon I've killed more men than there are minutes in a day. On va le provoquer. I'd say you're right. I can count the mud crabs I've killed without using my toes. I'm not big on hurting such gentle creatures. Oh, on peut pas le provoquer, moi je vais le tuer. On peut comme le tuer dans cette chambre. Allez, sors d'ici. Tu veux pas sortir. Greetings. Il va lui arriver un petit accident. Malencontreux. Greetings. Oh non, il est invincible. Il a disparu. Oh mais c'est... Greetings. Il va me faire chier. Il y a tellement de monde dans ce putain de... Ah, it's great to be indoors again. Voilà, tu peux dégager. Greetings. Oui. Allez, merci. Je peux vous aider? Ciao. Ok, bye. Problème lui ou... Vous voulez quelque chose? Oh. Il m'en reste plein. N'hésitez pas si vous en voulez d'autres. Eh ben... Nous allons boire un petit coup à la fontaine.
désolé. On va les vendre. On va les vendre à notre très cher ami du début du jeu. C'est si important pour nous que... Mais boum. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Merci. Moi, j'appelle ça des trésors. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Des robes. En avoir pour ton argent, mon pote. Oh, il a plus d'argent. Oh, il a quoi à vendre? Il a rien d'intéressant. Il a des sorts. Est-ce que j'ai envie d'acheter des sorts? Pas envie d'acheter des sorts. Et ciao. Ok, bye. On voit que la neige continue à neiger. Beaucoup de neige. Dans cette période de neige. Vous venez d'arriver. Il n'y avait pas une mine ici là. Vous cherchez du travail. Allez voir Odd à la série. Ok, le chemin il fait ça. Ok, ou alors par ici. Et ici c'est trop loin. On va faire par là. J'ai combien moi? 391. Oh non, non, on peut pas aller avec si peu de place. Je trouve un marchand. Ok, on va voir. On va voir ça. À moins qu'on trouve la mine de bandits. Pour banditer. Pour banditisme. Et par ici. Non, ça peut. Je ne sais plus où aller. Mais cette belle mine. Du diable. Trop fou. Non. Est. Peut-être là-haut. Such an amazing view. Peut-être là-haut dessus. C'est ma blague, interdit de la voler. Oui, c'est l'autre par là. What I would give to be next to a nice warm fire right now. Oui. Ah voilà. Merde, attends. Oh, un bandit. Bah viens. N'approchez pas davantage. Baston. Nothing can stand in my way. Je vais vous chier. Perdu un peu trop mon sang. Oh non, il s'est fait one shot. Un chicken mineur. On prend le chicken mineur. Oh, ils avaient des pièces. Et ils avaient des squelettes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un livre. On le prend. On le lit. Je lis très vite. Je suis digne de combat. En lecture supérieure. Mais moi je suis sûr qu'il y avait une mine par ici. Là il y a juste un camp. Quoi ce bordel? Voilà, s'il te plaît. Continue notre chemin. Notre chemin d'aventure. D'aventure aventurière. Le petit lapin.
petit lapin, ils veulent tous te tuer. Le renard, il veut te tuer. Renard contre lapin, qui c'est qui gagne? Let's go, let's go, let's go. Le lapin, lui, let's go, let's go. Oh, il s'arrête. Le renard a triché. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un baston à plein nez. Ça sent la grosse baston à plein nez. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Ne me regardez pas comme ça. Infecté. J'imagine que je devrais vous remercier de ne pas m'avoir attaqué. Le monsieur est infecté. Et même deux infectés. Oh oui. Bonne blague. Ok, il faut aller sur la gauche. Pour voir les montagnes, montagnesques, beaucoup de montagnes, beaucoup de montagnes. Voici Helgen, cette ville. J'ai refermé les portes et que je vais pas y aller voir dedans. Nous allons faire une pause à Fort Ivar. Nous avons une... Nous avons deux grottes peut-être à explorer. Car nous avons déjà exploré ici. La cabane de l'alchimiste. Beaucoup de choses à faire malheureusement et peu de temps pour les faire. Je te dis pas les lapins. Oh putain, il avait plein de trucs. Oh, il a déjà tué un lapin. C'est le lapin de trop, mon pote. Ça, c'est un lapin que t'auras pas. Il va cacher son cadavre. Ce sera comme un accident d'escalade. Il a fait une mauvaise chute. Vous pouvez voir, il s'est brisé les jambes directement et ensuite la tête a heurté le sol et ensuite il a rebondi ici mais ensuite il est revenu là-bas. Je sais pas comment mais écoute, c'est comme ça que ça s'est passé. Heureusement les soldats en bas ne nous ont pas vus. Personne qui m'a vu et j'ai pas pris de prime sur la tête. Tant mieux. Ça doit être la justice du jeu. Tu ne peux pas tuer un lapin. C'est un crime. Et j'ai vu ce crime se produire devant moi. Et là j'ai dû tout de suite
et donner la punition tout à fait justifiée. J'imagine que je devrais vous remercier de ne pas m'avoir attaqué. Il y en a partout. C'est le deuxième qu'on croit. Nous pouvons voir double statue. Statue géante. Un pilier. Nous sommes arrivés que la neige a disparu. Oui, la neige a disparu. Ok. Nous allons arriver à la cabane et il y aura les deux grottes. Peut-être on va faire une grotte. Je suis la cabane. Une bien belle cabane, si vous voulez mon opinion. Dans la mâchoire. Vous avez vu ce petit coupage? On va dépouiller le. On va. Hop. Et voilà. J'ai mis un cœur d'ours. Un cœur d'ours, ça peut servir. Oh, on peut voir la lune. Non, pousse-toi, s'il te plaît, je dois ramasser l'ours. Je dois ramasser l'ours. C'est pas la grotte. Elle est ici. Ouh, il y a quelqu'un qui s'est fait bouffer. Oh, du miel. Du miel ours. Du miel pour les ours. Oh, ça va être la baston. Oh non, il y a un ours vraiment très gros. Malheureusement, nous devons nous arrêter ici en faisant une sauvegarde. Nous allons arrêter et recommencer plus tard. Je te dis ciao youtube.com. N'oublie pas de mettre un j'aime, un commentaire. Tu peux t'abonner et mettre la cloche ou même deux cloches. Ou même trois cloches. Tu peux m'envoyer des cloches en chocolat aussi. Parce que c'est bientôt Pâques. N'oublie pas. Ok, ciao.